Michel Morgan a une présence fantastique. Michel Morgan, c'est une... C'est une actrice que j'admire, que j'aime énormément, Michel Morgan. Est-ce que vous n'avez pas dit que ce serait la seule femme que vous voudriez épouser? Oui, mais elle était à l'époque très amoureuse de son futur mari. Et il n'était pas question d'avoir une aventure avec Michel Morgan, parce que Michel Morgan n'est pas du tout le genre de femme qui a des aventures. C'était une femme parfaite, Michel Morgan. Et comme actrice, et comme camarade, et comme femme. Vous vous rappelez votre première rencontre? Ah ben c'était pour les yeux du souvenir, je ne l'avais pas rencontré avant. Nous nous sommes rencontrés, je pense, au studio. Oui. Ah, pas sûr. C'est pas au Palais Royal? Non, peut-être. Non, tu ne t'en souviens pas. Non, on s'est rencontrés à ce moment-là pour... Donc vous avez tourné, vous aviez les deux principaux rôles, aux yeux du souvenir, de Jean Delannoy, c'était en 1948. Oui. C'est en 1948. Exactement. Et puis deux ans après, vous avez retourné un autre film qui est de Clément. Le Château de Verre. Le Château de Verre, donc 1950. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit? Est-ce grave, commandant? Mais non, ce n'est rien. Rien du tout. Je compte sur vous, rien de grave. Quel moteur? C'est le 1 qui s'emballe. J'ai réduit. J'ai débrayé l'automatique. Bien, il est sans drapeau. Le feu loin! Mais mets-le en drapeau, nom de Dieu! Mais il passe pas! Et c'est toujours! Prêtez partout! Je vois un SOS? Non, non, attends, préviens seulement. Pas des SOS. Ça crame tout autour du plan! Extincteur 1! Extincteur 1! Et volet à 15! Et volet à 15! Réduis la vitesse, le 1 tourne toujours! On est déjà à 145! Les étincelles du 1. Est-ce que ça fume? Non, ça fume pas. Alors, tu me la donnes cette position? Voilà. C'est sérieux, hein? Oh, et comment? Si l'hélice fout le col, nous découperons l'air. Le feu encore en haut! J'envoie l'extincteur! Non, attends. Attends, on n'a plus qu'une charge. Garde-la encore. Surveillez le plan. Quel gueule a-t-il? Lui, le feu en bon tour. J'envoie l'extincteur! Non! Voilà, tout va très bien. Oui, on vous dit ça pour nous rassurer. Formier est ce qu'on appelle un couple idéal, non? Les journaux devaient vous... Ah, non, je sais pas. Alors, c'est assez curieux, c'est que dans les deux films, vous jouez l'hôtesse de l'air dans le premier, et dans les deux films, vous montez dans les avions, ils sont pris dans les orages absolument épouvantables. Oui, c'est ça. Un verre dans l'avion, dans le Château de Verre. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est peut-être pour ça que je ne prends jamais l'avion, d'ailleurs. Tout de même failli mourir ensemble. Ça t'aurait bien plu, hein? Je ne te quitterai plus jamais, tu sais. Ne dis pas de bêtises. Vous vous rappeliez tous les deux ce baiser, là? Non. Non, bon, c'est vrai. Non, c'est bien, vous êtes sincère. Pas du tout. C'est loin. Oui. Ben, ça aurait pu vous marquer quand même. Mais on s'est embrassé plusieurs fois. Moi, si j'avais embrassé Michel Morgan sur la bouche, je m'en souviendrai. Je vous jure, je m'en souviendrai. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que ce sont des baisers très pudiques.